représentation unique de opéra panique. En effet, si nous jouons plusieurs fois ce spectacle, chaque représentation est unique. Nous avons joué le spectacle, il était différent, il le sera différent les prochaines fois. Nous allons jouer pour vous ce soir sans filet. Et c'est vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui allez décider du spectacle en tirant au sort l'ordre des scènes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans ce chapeau, la pièce. Nous avons maintenant besoin d'une main innocente pour décider quelle sera la première scène. Le monologue. Qui va dire le monologue? Ah, bien essayé. Pauvre petite idiote, je vais te tuer. Je vous défendrai contre tous. Grosse truie. Mon ange. Que vous dites? Traîtresse. Vous êtes une héroïne. Espèce de lâche. Tu veux faire l'amour, ma petite pute? Qu'est-ce que vous dites? Ma sainte! Ah! Lesbienne moustachue! Je vous ignore. Sois mon esclave! Tu es tout pour moi. Tu me dégoûtes! Vous serez toujours ma bien-aimée. Qu'est-ce que vous dites? Hors de ma vie! Ordure! Tu auras la fin que tu mérites! Tue-moi! La vie m'est insupportable! Ah! Au secours! À l'assassin! Légitime défense! Légitime défense! Tu souffres beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Quelle femme admirable! Quelle peste pour l'humanité! J'en ai rien à foutre. Oh! Quelle douleur! Tu l'as cherché, canaille. Dieu, donne-moi la force de la sauver. Crève. Oh, j'ai compris. Vous m'aimez.
Alors, une main innocente. Les oreilles de l'amour. Les oreilles de l'amour, mesdames et messieurs. Excellent choix, jeune homme. Votre peau est un jardin de merveilleuses fleurs carnivores. Le chemin de la soie conduit jusqu'à là. Si vous me touchez encore une fois, j'appelle la police. Ce n'est pas un sacrilège, petite vierge. C'est de la vénération. Je vous jure que plus jamais de toute ma vie, je ne chercherai à vous caresser. Vous n'avez pas besoin de jurer une chose pareille. Le contact physique avec un homme d'une expérience comme vous peut m'intéresser. Mais il faut d'abord que je vous connaisse mieux. Seriez-vous capable de retenir vos pulsions lubriques pour répondre tranquillement à mon questionnaire? Je vous le promets tout mon cœur, petite vierge. Alors commençons. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Des kidnappings. Et combien de personnes avez-vous déjà kidnappé? 563. Ce chiffre me confirme que vous êtes un homme de grande expérience. Leur coupez-vous les doigts ou les oreilles? Jamais les doigts, juste les oreilles, pour faire pression sur la famille. Et comment les coupez-vous? Avec des ciseaux. Oh, comme c'est intéressant! Vous anesthésiez la personne pour lui éviter la douleur? Vous n'y pensez pas, petite vierge. Non. Voici comment je procède. Avec le pouce et l'index de la main gauche, je tire sur l'oreille. Et avec les ciseaux dans la droite, crac, je coupe. Oh, ça me donne la chair de poule. Et quels soins prodiguez-vous ensuite à la personne pour éviter l'infection ou l'hémorragie? C'est très simple, petite vierge. Je brûle la plaie avec le bout de ma cigarette. Les familles payent à chaque fois? Oui, heureusement. J'ai toujours demandé des sommes modestes. Juste de quoi manger une semaine. Sinon, il aurait fallu les tuer. Et je n'aime pas avoir des remords. Comme je vous comprends. Monsieur, je suis orpheline. Je n'ai pas de famille et encore moins d'argent, mais... Accepteriez-vous de me couper une oreille, même sans espoir de rançon? Comment pouvez-vous me demander une chose pareille, petite vierge? Pour qui me prenez-vous? Je ne le fais pas pour le plaisir. Quand je coupe, c'est pour de l'argent. Vous ne pourriez pas couper par charité? Je ne suis pas Jésus-Christ pour me mettre à couper des oreilles au nom de l'amour universel. Bon, puisque vous ne voulez pas les couper, est-ce que vous pourriez au moins les tirer? Vous tirez les oreilles? C'est tout? Bon, d'accord, petite vierge, mais pas trop fort alors. Comme ça? Oh, oui. Ah, comme vous les tirez bien. Vos doigts sont forts et délicats. Oh, il me semble que j'entends la musique des anges. Oh, plus fort, plus fort. Attention, petite vierge. Si vous me demandez de tirer plus fort, je vais finir par vous les arracher. Oh, ce ne sont pas les oreilles que vous devriez m'arracher, mais les paroles qu'elles renferment. Un fleuve de phrases insidieuses qui m'ont rempli le cerveau comme une colonie de fourmis noires. Oh, tirez plus fort, je vous en supplie. Les racines sont profondes, elles s'enfoncent jusque dans mon âme. C'est le dernier effort que je ferai. Tenez.
toute ma vie à tenir une femme par les oreilles. Allez, laissez-vous tomber. Oh, alors lâchez-moi. Je descends. Oh, je m'évanouis. Miracle, je tombe dans vos bras. Il me semble que je vous ai attendu toute ma vie, petite vierge. Venez avec moi. Je couperai une montagne d'oreilles. Et comme ça, nous aurons de quoi nous payer les noces. Et la lune de miel. Ne pensez-vous pas qu'au lieu de ciseaux, il serait plus élégant d'utiliser un bistouri? À vos ordres, monsieur. Pardon? À vos ordres, monsieur. Ah! À vos ordres, monsieur. Merci. Serviteur! Serviteur! Vite! Serviteur! À vos ordres, monsieur! Pourquoi arrivez-vous si tard? Pouilleux? Crève la faim? Misérable? Merci, monsieur! À vos ordres, monsieur! Prêt à vous obéir, monsieur! De quoi monsieur a-t-il besoin? Eh bien, je n'ai besoin de rien. C'est impossible, monsieur. Vous nous payez pour nous donner des ordres, monsieur. C'est vrai. Rendons au maître ce qui est au maître, et à la racaille ce qui est à la racaille. Je vous ordonne de me dire ce que je peux vous ordonner. Vous existez pour nous donner des ordres, monsieur. Suffit, vermine puante. Je vous demande de me dire ce que je peux vous ordonner. Ordonnez-nous de vous endormir, monsieur. Je n'ai pas sommeil, crétin. Ne vous énervez pas, monsieur. Il ne s'agit pas d'avoir sommeil ou de ne pas avoir sommeil, mais de nous donner des ordres. Nous pouvons essayer de vous endormir, mais vous pouvez tout aussi bien rester éveillé. Domestique, faites-moi dormir. Dormez, monsieur. Rêvez. Un palais plein de serviteurs fidèles, prêts à vous obéir, monsieur. Des milliers et de milliers de serviteurs qui vous attendent. Vous êtes le maître et eux les domestiques. Ils sont obligés de vous obéir, monsieur. Et vous êtes obligés de leur donner des ordres. Des milliers et de milliers et de millions de fidèles serviteurs attendant seulement que vous leur donniez un ordre, monsieur. Je ne peux pas. Au secours! Vous êtes réveillé? Avez-vous bien dormi, monsieur? Nous sommes vos serviteurs, monsieur. À vos ordres, monsieur! Vermine puante, que puis-je vous ordonner? Ordonnez-nous de vous amuser. M'amuser? Mais comment? Nous ne sommes pas des savants, monsieur. Nous sommes des domestiques, monsieur. C'est à vous de savoir ce qui vous amuse, monsieur. Je ne le sais pas. Raclure! Faites ce qui vous amuse, vous. Le seul amusement d'un domestique, c'est d'obéir aux ordres de son maître. Laissez-nous vous divertir avec ce qui vous divertit. Au travail, racaille! C'est ce qui m'amuse. Ce qui vous amuse, c'est de nous donner des ordres, monsieur. Nous sommes ici pour vous amuser. Donnez-nous un ordre, monsieur! Oh, mais je chie dans le con putride de votre mère! Voilà ce qu'on gagne à être trop coulant. Je vous demande de me dire ce que je peux vous ordonner ou j'appelle la police pour que vous arrachez les oreilles! Allez, cours! Oh, vous pourriez peut-être nous ordonner de danser pour vous un ballet romantique. Voilà, gargouille affreuse, danser un ballet romantique. Jamais romantique, vous ne m'amusez pas. Alors ordonnez-nous de danser comme des éléphants. Danser comme des éléphants? Trop de gaz, ça ne m'amuse pas. Alors ordonnez-nous de crier. Crier? Ah, vous brisez les tympans. Ordonnez-nous de nous donner des gifles. Donnez-vous des gifles? Ça ne m'amuse pas du tout. Cela ne vous amuse pas que nous nous battions entre nous, monsieur? Alors ordonnez-nous de vous frapper. Ordonnez-nous de vous casser les os. Ordonnez-nous de vous uriner sur le visage. Frappez-moi, qu'est-ce
Laissez-moi les enlever, les mains sur le visage. Les idiots. Les idiots. Nous nous ennuyons parce que nous ne savons pas penser, n'est-ce pas? C'est vrai? Toi, tu me donnes raison. Bien, je vais t'hypnotiser. Et après, une fois hypnotisé, je te ferai penser. Ouh, ça doit être merveilleux de penser. D'accord? Endors-toi, regarde-moi. Je vais compter jusqu'à 3 et tu dormiras. Un, regarde-moi, endors-toi. Regarde-moi, endors-toi. 2, endors-toi. 3, dans quelques minutes, tu te réveilleras et tu te mettras à penser. T'as vu? C'est facile, hein? Bien, toi aussi, je vais t'hypnotiser. Ah, mais c'est ce qu'on va voir. Alors... Regarde-moi, endors-toi. Toi, regarde-moi. Toi, endors-toi. Non, non. C'est toi qui regarde et qui t'endors. 1. Alors, celui qui s'endort et qui regarde, c'est toi. 2. Endors-toi, regarde-moi, endors-toi. 3. Dans quelques minutes, tu ouvriras les yeux et tu te mettras à penser. T'as vu, c'est l'intelligence la plus forte qui domine. Viens, ça va être facile de t'hypnotiser en comptant jusqu'à 3. Verron, disait l'aveugle. Ouh. Alors, regarde-moi, endors-toi. Regarde-moi, endors-toi. Endors-toi, endors-toi, 2. Endors-toi, endors-toi, 2. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu dormiras et ensuite tu penseras. Tu dormiras et ensuite tu penseras. 3. L'unique savoir est le savoir du non-savoir. De ce que je ne sais pas, j'affirme le contraire. Le fruit de tous les travaux, c'est encore du travail. En multipliant les possibilités d'action, en nous éliminant toutes les options. Si les solutions sont des problèmes déguisés, les problèmes peuvent être des solutions camouflées. 5 fois 8, 40. Si la seule possibilité de création est la destruction, alors le seul moyen de détruire, c'est le cri. Si la totalité des arbres forme une seule forêt, nous ne pouvons plus nous perdre, car où que nous allions, nous sommes dans la même forêt. Tout est relatif, sauf le relatif qui est constant et fixe. Dire oui, c'est créer une infinité de noms. Dire un seul nom, c'est éliminer tous les oui. Cinq fois 8, 40. Ce n'est pas possible. On ne peut plus croire en rien. Même l'injustice est juste. Hier, non, aujourd'hui, impossible. Et quoi demain? Même privés de maître, nous obéissons aveuglément. Condamnés pour toujours à l'erreur, à sourire, tandis que nous dérivons vers la mort. Cinq fois 8, 40. Je veux me réveiller. La terre promise. Tu es notre guide. Nous sommes fatigués, presque mourants. Mais un jour nous arriverons. La terre promise nous attend.
Il ne faut pas désespérer. Nous continuerons d'avancer. Tu es un bon guide. Tu sais ce que tu fais. Je ne sais pas où je vais, mais je te suis. Le chemin s'étend à l'infini. Pourtant, grâce à toi, j'en suis sûr, nous arriverons. J'ai les pieds en sang. Je respire à peine. Voilà des siècles que je marche. Mais j'ai confiance en ton savoir. Toi, tu sais. Et je ne sais pas. Et c'est pour cela que je te suis. Emmène-nous à la source de tous les fleuves. Emmène-nous au pays de l'abondance. Conduis-nous là où ce désert devient une terre fertile. J'ai foi en toi. C'est Dieu qui t'a choisi pour guider notre marche. Grâce à toi, j'en suis sûre. Nous ne sommes pas perdus. Nous suivons le bon chemin. Si tu ne t'arrêtes pas, nous continuerons. Tu es notre guide. Tu es notre guide. Nous sommes fatigués. Il ne faut pas désespérer. Presque mourants. Tu te souviens un jour, nous arriverons. Thank you.